Bonjour et bienvenue dans le 34e épisode de ma série sur la map complète le monument, simulation protocole Animosity. Alors la dernière fois on avait récupéré une laine, mais je m'étais dit que je voulais finir la zone, donc je vous retrouve exactement là où j'ai arrêté. Alors on va approcher petit à petit. L'idée c'est d'aller buter ça. Tiens, c'est quoi ça? C'est un bloc en or. Alors je vais faire des replis stratégiques à plusieurs reprises, hein, ça. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, un bloc de fer. Ah putain, j'ai activé les... Ah, quoi que... Au niveau de la lumière, il peut... Hop là! On va laisser le bloc là pour l'instant. Pourquoi ils sont pas actifs? Est-ce que c'est parce que c'est très éclairé? Dans ce cas, il faudrait peut-être que je... Ouais, tant pis. Est-ce qu'il faut du fer? Non, il faut du fer pour le bloc d'or. Il faut du fer pour le bloc d'or. Ouais, il faut du fer pour le bloc d'or. Donc, on reviendra. Ça va, ça se gère assez bien pour le moment. Finalement, la lave m'est-il là? C'est elle qui empêche les mobs de spawner. Par contre, ça risque de... Peut-être que pour la dernière partie, ça risque d'être moins... agréable. Finalement, ça va. Alors, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils spawnent pas eux. Donc, les blocs d'or, je reviendrai. A priori, j'aurai pas besoin de. Je le ferai hors caméra, ce sera pas indispensable de le faire. De le filmer. Alors on va essayer de récupérer ces... Par contre là je... Okay. Pour éviter de... Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre quelque part? Non. On va aller récupérer le coffre là-haut. C'est bon, j'ai pas de risque. Celui-là risque d'être un peu... C'est quoi? Ah! Là, il y a une... Renforcée pickaxe, une... Une, comment dire, une pioche de meilleure qualité, en gros. Alors, on va essayer de grimper. Est-ce que j'avais du sable quelque part? Mais c'est pas grave. Hop. Ah, attendez, je vais d'abord vérifier
qu'il n'y a pas de spawner là-dedans. Non, a priori non. Ça va, je suis assez loin, je risque pas grand-chose normalement. A priori, il n'y a rien non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? Staff of Maker. Je sais pas ce qu'il entend par Staff of Maker. Ouais, c'est le bâton de celui qui fait, je sais pas. Je ne sais pas comment traduire ça. Ah oui, ça c'est magnifique. Je regrette pas d'être venu. Bon, allez, on va aller chercher l'autre. Ah, je suis content, ça s'est bien passé. Ben, je commence à être à court de torches, tiens. Ah putain, quand je pense. Que je me posais la question de savoir comment j'allais pouvoir faire. Et finalement, ça va assez bien. Bon, on va faire de la sécurité, hein. Tant pis si je me vautre, que je puisse récupérer le matériel. Une petite vérification ici. Mange pas de pain. Ok, bon. Ah oui, non, une pioche, voilà, impeccable. Impeccable, impeccable. Oui, sauf que je vais peut-être pas la gâcher tout de suite. Il n'y a rien d'intéressant. Bon, en même temps, les blocs d'or, je sais pas à quoi ils vont servir parce que je crois qu'il me semble qu'on devait en récupérer un, mais est-ce que quatre seront indispensables? Je n'ai pas l'impression. Bon, alors, ma pioche, vraiment. Je mets le seau d'eau pour être sûr que ça ne tombe pas dans. Voilà. C'est pour ça que je mets le seau d'eau. Ah tiens, solidité, oui. Ok. Elle m'a pas compté l'utilisation, c'est bien. Alors vous trouverez peut-être que je prends des précautions excessives, mais tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Je préfère faire comme ça plutôt que de perdre bêtement quelque chose qui pourrait m'être utile. Puis ça coûte pas grand-chose. Ça m'embêterait d'être obligé de prendre une sauvegarde parce que j'ai raté un truc de manière bête. Voilà. Donc, bah, cette zone, elle est complètement. Elle est finie. J'ai la laine. Il faudra juste que je fasse un aller-retour ou deux pour récupérer tout ce qui est d'intéressant. Je vais prendre ça. Ouais, l'enclume, ouais, je vais pas la prendre pour l'instant, l'enclume, parce que j'en ai trois. Je suis à peu près sûr que je les utiliserai pas parce que protection contre le feu, j'en ai pas mal aussi. C'est pas que je les utiliserai pas, c'est que j'aurai pas assez de matière pour les utiliser, les enclumes. Ah, ça, j'ai déjà regardé. Alors. Plastron fer. Je peux prendre ça.
ça. Roi de feu 2, oui. Je vais quand même regarder. Je reviendrai quand même récupérer. En plus, c'était des. Il y en a certainement un de l'autre côté. Ouais. En plus, c'est des wither squelettes. Enfin, oui, des wither squelettes. Ça fait toujours un peu d'expérience en plus. C'est pas négligeable. Non, non, c'est un bug ça. Oui. Je vais voir si je mets un bloc. Est-ce que ça l'enlève? Non. Pas la première fois que je le vois ça. Alors, qu'est-ce que je peux... En tout cas, je suis content, j'ai trouvé un bloc d'or. Un bloc de fer. Protection contre le feu 3, qu'est-ce que je peux... Voilà, donc a priori ici... J'y reviendrai quand même pour récupérer des bricoles, mais franchement, c'est pas indispensable. Heureusement que je suis descendu par là, que je me rappelais avoir vu un coffre. Parce que sinon, ben, j'aurais raté tout ça. Je peux pas récupérer la flèche là. Non. Oui. Bon. Alors, on va remonter. Est-ce que j'avais regardé? Est-ce que j'avais tout vidé? Oui. Et je n'ai pas pris la. Oui, les. Ben cette zone-là était... Bon, évidemment, comme je vous avais dit, que ça a été plus facile que je le pensais, alors que franchement, j'avais peur. Donc, qu'est-ce que je vais jeter? Allez, ça, on va récupérer ça. Ouais, il faudra que je reprenne tout ça. Ouais, ça se trouve, il faudra même que je fasse deux allers-retours. Ouais. Bon, j'ai pas grand-chose à récupérer là, mais tant pis, je le prendrai, parce que... Je suis désolé, je vais couper le son pendant quelques secondes parce que j'ai mon chien qui aboie. Voilà, normalement, il doit se calmer. Enfin, modérément. Mais c'est pas par là? Par où la sortie? Ah oui. Le problème, c'est que j'avais sauté. Mais... Voilà, vous avez vu, j'ai mis quelques barrières. Pour être sûr, mais bon, de toute façon, je manque pas de blocs. Je manque pas de blocs, et puis, tant pis, je suis vraiment pas à l'aise sur ces. C'est pas une histoire de vertige, hein, j'ai pas du tout le vertige. C'est juste que j'ai peur du geste maladroit. On va quand même que j'aille voir. Attendez, je vais faire quelque chose. Ça. Il a dit qu'il n'y avait rien dans ces trucs-là, mais je lui fais modérément confiance. Il y a bien des meubles qui ont spawné, non? Non, il n'y avait pas de meubles, là? Ah, ben je me suis débarrassé de mon pioche.
pareil, là, y a rien. Là, j'ai même pas l'impression. Bon, tant pis. C'est étrange. Étrange. Bon. Je ferai quand même un tour hors caméra, en haut des trucs là, pour être sûr. Ça me paraît très surprenant qu'il n'y ait rien du tout. Bon, je récupérerai l'enclume là plus tard. Ah, je suis quand même content d'avoir eu cette laine que je sentais mal engagée, hein. Oh putain! Ouais, donc je disais, j'ai pas du tout le vertige, hein. À la limite, je serais plus à l'aise si c'était moi qui marchais réellement là-dessus. Vous attendez peut-être encore mon chien, c'est assez loin pour que je puisse penser que... Enfin, il aboie de manière assez lointaine, donc peut-être que vous l'entendrez pas. C'est pour ça que je coupe pas cette fois. Voilà. Ah, là, il faut que j'y aille aussi. Il faut que j'y aille aussi pour voir. Je sais plus si j'y étais allé. Ah, il n'est plus en fer, impeccable. Ah. Bon, Ah bah tiens, j'ai la place. Qu'est-ce que j'ai lâché? Ah, c'est les torches. C'est vrai que j'ai plus de torches. C'est pas grave. Voilà. Une bonne chose de faite. Et puis là... Bon, évidemment, je pensais que... Ah non, mais c'est pas par là qu'on descend, je pense. Ah non, mais oui, c'est normal que... Puisqu'il faut monter. Par contre, tiens, qu'est-ce qu'il y a en bas? Je me pose la question. Je peux pas m'empêcher d'aller voir. Écoute, mon sang, il y avait des blesses qui spawnaient ici. Étrange. Allez hop, c'est reparti. Ou alors c'est dans celui-là. There is no loot on this tower. Ouais, mais il parle de laquelle? De celle qui est là-bas? A priori, il n'y en a pas non plus ici. Oui, mon bonhomme, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ton biscuit? Ah, attends. Désolé, quelques impératifs animaliers. Tiens, mon bonhomme. Voilà. Ok, c'est bon. Moi aussi, ça manque de lumière, mais c'est pas grave. J'ai pas de risque de tomber. Ah, vous voyez, la différence, c'est que là, je peux descendre comme ça. Je fais pas vraiment attention. Bon, hop, tout de suite, dès que il y a du vide, je suis plus prudent. Bon, par contre, quand je reviendrai, risque de popper ici parce que
J'ai mis des endroits où on peut, où les mobs peuvent spawner, mais bon. Ah, voilà, je suis sorti de cette zone-là. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose à regarder? Non, a priori, non. Non, 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 non. Hop là. Pas besoin d'en savoir plus. Je vois que c'est hostile. Ok. Et ça sert à rien, ça, ce passage-là. Non. Bon. Eh ben, ça a été une affaire rondement menée. Voilà, je suis assez content de moi. Toi, cette zone-là m'aura posé. Bon, j'ai eu quelques problèmes au début quand même. Pour franchir toutes les salles, pour arriver à la salle de la laine. Mais finalement, la salle de la laine me faisait extrêmement peur, avec tous les spawners qu'il y avait et tout ça. Et j'ai trouvé la méthode la plus facile pour y aller. Alors c'est un hasard, hein. J'avais pas du tout vu qu'il y avait cette passerelle qui allait directement au truc. J'étais catastrophé sur du fait que j'étais censé faire des ponts. Et puis même après, quand j'ai réussi à le faire, j'ai pu. Attends, je circuit. Ok, c'est par là. Après, quand il s'agit de. Quand il. Merde, bon, je sais plus comment on dit. Attendez. On va mettre quelques blocs ici. Quand il était question de vider la salle des coffres. Ça s'est magnifiquement passé. Pas eu un souci. Voilà. Ok. Alors on va se mettre une petite. Attendez. Gold. Ah oui. Merde. 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 Bon. Je vais pouvoir mettre 3 gold blocs. Voilà. Toc. Iron block. Donc finalement, je suis un peu déçu, c'est quoi là? C'est orange, là, ça c'est le truc, je sais pas du tout où il est. Je connais la zone, mais je sais pas du tout où il est. Voilà, bon. J'ai pas fait grand-chose, hein. Je suis un peu déçu parce que je pourrais pas utiliser le fer. Mais bon. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. J'ai oublié qu'il y avait cette histoire-là. Alors. Pour l'instant, je vais mettre ça là-dedans. J'en ai pas d'utilité. Tranchant 3, roi de feu, 10, butin 2. Par contre, je vais pouvoir la réparer, celle-là. Oui, c'est ça, celle-là, je vais pouvoir la réparer. Puisque j'ai plein d'or. Je vais pas en faire des. Je ne vais pas en faire des. Ah, elles sont où mes potions? Voilà. Je ne vais pas en faire des pommes. Parce que je m'en sers assez peu. Mais je vais les garder pour réparer cette épée. Pas besoin de beaucoup de nourriture. Où il est le. Bon, c'est vrai que. Voilà, ça c'est mon charbon. Je vais récupérer. Voilà. Et je vais quand même refaire des torches. C'est pas là que je vais le mettre, c'est pas là non plus, évidemment. Le bois, il est où le bois?
Et là. En même temps, j'en ai pas besoin pour le moment, les torches. Bon, je vais garder ça. Je vais quand même garder ça. Ouais. Je vais garder ça. Et puis je vais aller faire un ou deux allers-retours pour récupérer tout ce qu'il y a récupéré, même si ça me servira pas, tant pis. Ça va pas me prendre énormément de temps, mais je vous épargnerai ces allers-retours qui n'auront pas grand intérêt pour vous. Ah, butin, 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 je vais pouvoir. J'en ai eu qu'un. Eh, apparemment, elle s'abîme pas. Elle ne s'abîme pas, cette... 8. Oh oui. Oh, excellent. Oh oui, ouais, j'ai... regardez, j'en avais 6. J'ai dû buter 6 vaches. Oui, oui, ça, c'est impeccable. Ah, si, quand même, elle s'est un petit peu abîmée. Voir que... Qu'est-ce que ça coûterait pour la réparer alors? Ah merde! Ah la galère! Ah zut! Eh ben j'ai intérêt à l'utiliser avec parcimonie. Hein. Donc c'est-à-dire assez, enfin, de manière utile, et non pas à tout va. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, en espérant qu'il vous aura plu, qu'on se retrouvera la prochaine fois. N'hésitez pas à laisser des j'aime pas, des commentaires. Voilà. Merci, au revoir.